Thank you very much for inviting me. As I have to be very quick, I will speak in French, if I may. And but the PowerPoint is in English. Thank you. Le titre de ce panel m'intrigue, New Growth Model. Ça m'intrigue parce que ça veut dire qu'on reste complètement ancré dans la croissance et certains l'ont déjà remarqué, cette croissance peut poser problème. Et j'ai l'impression que nous devons absolument oser faire un pas, oser non seulement être dans une perspective dans laquelle les syndicats sont depuis 20 ou 30 ans, mais oser faire un pas qualitatif important et remettre en question ce processus. Donc je pense qu'aujourd'hui, il s'agit de penser autrement. Croissance, comme on vient de le dire, croissance pourquoi? Croissance de quoi? Est-ce qu'on ne doit pas plutôt parler d'un nouveau modèle de prospérité? Et dans l'exposé de John Evans, que je partage pour la plus grande part. Il y a quand même des silences qui m'embarrassent ou des choses qui ne sont pas suffisamment dites. Je pense que cette absolue urgence écologique qui fait que l'on doit certainement combattre les inégalités qui, à mes yeux, sont aussi une des tares principales de la période. Mais il faut absolument combiner la lutte contre les inégalités avec la prise en compte de la contrainte écologique, comme les deux derniers orateurs viennent de le souligner. Et je crois que pour cela, le syndicat a un gros boulot à faire, qui est de surmonter sa tradition. Il a été construit dans une logique productiviste, et puis ensuite il a acquis le droit à la consommation dans une logique consumériste, et actuellement il est trop prisonnier de ces logiques-là. Il doit absolument faire un grand bond en avant. Et pensez aussi qu'au fond, son parcours historique le conduit à avoir certaines difficultés à penser ce changement qualitatif, et donc il y a peut-être des alliances importantes à faire avec de nouveaux acteurs. Dans cette mesure, je vais essayer maintenant d'être assez d'illustrer des choses qui en partie ont été dites pour voir l'assemblage. Il me semble qu'il faut voir d'où l'on vient pour comprendre la difficulté de penser autrement. En fait, le mérite de la croissance, hein, l'objectif croissance, c'est la période des années 45 à 75, et qui ont été suivies par, au fond, 30 années, presque 30 années de globalisation financière qui ont remis en question cette croissance partagée. Et là, je suis tout à fait d'accord, ça fait longtemps, au fond, que la croissance ne crée plus de l'emploi et ne crée plus les égalités. Et je crois que maintenant, il y a un grand saut à faire pour essayer de trouver un nouveau modèle de prospérité qui n'aurait plus comme slogan la croissance. C'est terminé. Et donc, au fond, si l'on regarde comment est né cet objectif de croissance et cet indicateur de PIB, on pourrait faire une sorte de pentagone. Jusqu'à présent, je raisonnais en triangle. Je me suis dit qu'il fallait absolument ajouter encore deux pôles. Je ne sais pas à combien de pôles je vais terminer dans mes illustrations. Mais il me semble qu'il faut en tout cas prendre en question dans les deux pôle inférieur, les équilibres sociopolitiques ou géopolitiques. Il y a eu les pactes sociaux à l'intérieur de nos pays et tout ça reposait aussi sur l'équilibre du monde entre les États-Unis et l'URSS, avec une représentation tout en haut, une représentation théorique qui était basée sur la révolution keynésienne, une autre manière de penser l'économie, et dans les deux pôles moyens, la mise sur pied des États-providence ou États sociaux-démocrates et le fait qu'on pouvait ignorer la contrainte écologique. Et c'est dans cette conjonction d'événements sociopolitiques, idéologiques et réels que est né cet objectif de croissance et cette focalisation sur l'indicateur du PIB. L'époque suivante, 1975-2008, au fond, remet en question chacun de ces pôles. Ça remet en question le partage du monde entre pays de marché et pays communistes. Ça remet en question les pactes sociaux avec un affaiblissement du mouvement syndical et une montée en puissance des acteurs financiers. L'État-providence est en crise et c'est un État qui défend les valeurs de libéralisation et de marché qui est mis en place. On constate un choc sur les ressources naturelles, mais en fait, on ne le prend pas complètement en compte. Donc, il est là, il apparaît comme pôle important, mais on n'agit pas nécessairement encore en conséquence. Et dans la représentation théorique, au fond, c'est la crise de la théorie keynésienne et c'est les théories de l'offre, les théories financières, Hamilton, Friedman. Alors, au fond, le PIB, la croissance du PIB est un anachronisme par rapport à tous ces changements-là. Ce qu'on voit
apparaître davantage, ce sont des indicateurs boursiers. On pourrait dire aujourd'hui les indicateurs de dette publique. Et les objectifs, à vrai dire, ne sont même plus la croissance. Les vrais objectifs, c'est la compétitivité, c'est le rendement financier. Bon, alors aujourd'hui ou demain, où va-t-on aller? Et il me semble qu'il faut aspirer à des changements dans chacun de ces pôles simultanément. Ce n'est pas en changeant un seul de ces pôles qu'on parviendra à mettre en place ce qu'on appelle parfois un nouveau paradigme, mais je crois qu'il faut oser s'inscrire dans ce changement historique qui est en cours et dont les résultats peuvent être très variés selon qu'on s'y inscrit de manière adéquate ou pas. Et à mon avis, vouloir continuer à défendre un modèle de croissance, c'est une erreur, parce qu'il y a cette urgence écologique, comme on le dit, pour avoir de la sécurité sociale, il faut d'abord une biocapacité, et beaucoup de cercles où je me rends sont extrêmement alarmistes sur l'urgence et sur les dangers. Donc la première chose, c'est de tenir compte dans notre discours de cette urgence et de tenir compte de l'association des autres choses à combiner par rapport à cette urgence écologique. Alors la question est de savoir aussi, est-ce que nous parlons suffisamment des pays émergents? Est-ce que notre discours n'est pas trop eurocentré ou occidentalo-centré? Est-ce que nous sommes conscients qu'au fond, là, les voix que nous portons vont être minoritaires dans ce, et sont déjà sans doute minoritaires, donc est-ce que l'urgence n'est pas aussi de construire une gouvernance, je n'aime pas le mot de gouvernance parce qu'il est emprunté au business, mais un gouvernement mondial, et de penser que l'Europe a peut-être un rôle à jouer dans la construction de ces règles du jeu au niveau mondial. Est-ce que dans les équilibres sociopolitiques, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui à prendre en compte le fait que les syndicats pourraient très utilement penser à une association avec les mouvements citoyens et des mouvements sociaux qui sont beaucoup moins structurés qu'eux, mais qui représentent une partie importante de la population et une nouvelle manière de penser, de nouvelles aspirations. Et donc, il y a lieu évidemment aussi de dépasser notre état libéral, néolibéral pour faire en sorte qu'il puisse être un acteur qui promeut des valeurs de redistribution et de coopération. Et des règles du jeu. Et bien sûr, il faudra que la pensée, la théorisation puisse aller de pair et donner une cohérence à cet ensemble-là. Et personnellement, je suis assez effrayée du rôle de la théorie économique actuelle dans l'empêchement de nous laisser penser un dépassement à tout ceci. Alors, voilà, je souligne ici juste trois choses que je pense. C'est le même graphique où j'ai mis en rouge les trois choses qui me semblent devoir être prises en compte par les syndicats de toute urgence. Et si vous voulez en savoir plus, il vous reste à parcourir cet ouvrage que j'ai eu le grand plaisir et l'honneur de coordonner. Merci beaucoup.